Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien. Pourquoi créer un site internet en 2023? Dans ce monde numérique en constante évolution, créer ton propre site, ça va t'aider à atteindre plusieurs objectifs. On va commencer par la visibilité. Comme tu le sais bien, maintenant, si on cherche quelque chose ou on veut avoir quelque chose, on se dirige presque instinctivement vers notre navigateur et on va taper notre requête sur les moteurs de recherche. Et c'est là que notre site va nous être utile pour faire connaître nos services et nos produits, pour gagner notre vie ou de l'argent, ou tout simplement pour partager les informations avec notre audience et la monétiser avec d'autres façons qu'on va voir dans cette formation. Le site web, c'est un moyen aussi de rester en contact avec notre audience et notre clientèle, de démontrer nos compétences. Tout cela en restant libre des réseaux sociaux et leurs changements constants. Dernièrement, on entend que certains réseaux sociaux vont devenir payants, comme Facebook et Insta, pour avoir un badge et pour avoir une certaine visibilité. Donc, notre site va nous aider à se retirer de cette pression constante d'essayer de plaire aux algorithmes, avec les j'aime, les partages, etc. Avec notre site, on va se baser directement sur la créativité et les moyens mis en place avec une certaine facilité pour pouvoir partager et gagner notre vie avec le site internet. Donc, pour pouvoir avoir l'accès à la formation, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour voir les différentes vidéos et cours sur la formation pour créer le site étape par étape. On va pas non seulement voir comment mettre le site avec le nom de domaine, le serveur, etc., mais on va se baser beaucoup plus comment créer et écrire un article SEO qui va nous permettre d'apparaître dans les premiers résultats de Google. Donc, si vous voulez créer votre propre site, je vous donne rendez-vous dans la formation qui se trouve juste dans cette chaîne vidéo en cliquant sur rejoindre. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, de la partager avec vos amis. D'ici là, la peace au rouge et la peace.